Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose peut-être que vous avez déjà vu sur les vidéos, mais que moi j'avais pas encore fait. Bon, déjà parce que j'avais pas eu le temps, parce que dans l'ancien atelier j'avais pas de place. Et puis avec le déménagement de l'atelier, ben, j'avais pas eu le temps. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je ne l'avais pas encore fait. Vous savez que nous, le problème que l'on a, hein, quand on scrape, c'est les dies. Voilà, c'est de ranger nos dies. Et donc moi, j'avais déjà rangé dans un classeur, hein, avec des feuilles comme ceci, les feuilles aimantées, hein, celles d'action. Mais bon, ça, je ne les ai pas toutes à vue. Chaque fois, il faut que je fouille, voilà. Et donc, j'ai décidé de le faire sur un grand tableau. Voilà, comme ça, je vais les mettre au mur. Je serai tranquille. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez déjà dû voir ces vidéos par plusieurs scrappeuses. Donc, ce n'est pas mon idée. Voilà. Donc moi, je vais faire sur un grand tableau. Alors, on va essayer de le voir. Hein. Voilà. Une grande toile, comme ça. J'ai une toile à peindre. Hein. J'ai oublié d'enlever un truc derrière. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Je vais le faire là-dessus. Donc cette toile-là, alors attendez, je viens de jeter à la poubelle, bien sûr, le petit carton qui était dessus. Voilà, et voilà. Alors, elle mesure 60 sur 80. Voilà. Donc, je ne sais plus combien je l'avais payé. Ça fait un moment que je l'ai, cette toile. Mais bon, de toute façon, Action, c'est jamais cher. Donc, je vais me servir, bien sûr, de ces plaques aimantées. Hein. Donc, si vous vous rappelez, c'est celle-là, hein, que l'on trouve en paquet de 2. Pareil, le prix, je ne m'en rappelle plus. Parce que là, ça fait un bon moment que j'en ai acheté. J'en avais acheté pour mon classeur. Et là, il me restait un gros stock. Il me restait 4 pochettes, plus ces deux-là, 4, ça fait 5 pochettes. Donc là, je vais en avoir assez pour faire sur ce tableau. Donc, je viens de faire mes marques pour savoir exactement combien il m'en fallait. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Il me faut 8 plaques, en sachant qu'il y en a 4 que je vais devoir recouper, puisqu'il ne faudra pas la grandeur totale. Voilà. Après, il vous faut du double face. Voilà. Donc, moi, c'est du Tesa. Hein. Au moins, c'est celui-là, il est costaud. Là, il vaut mieux que ce soit costaud pour ce qu'il y a à faire. Puis, voilà, il ne vous faut rien d'autre, hein. Donc, je vais le faire avec vous. Alors, après, savoir où je vais le mettre, ça va être autre chose. Je verrai, peut-être que je le mettrai sur mon mur là-bas. Ou alors, j'avais pensé sur ma cheminée, mais bon, sur ma cheminée, vous voyez, il y a déjà pas mal de choses. Il faudrait que j'enlève ce qu'il y a sur la cheminée et puis le mettre ailleurs. Mais déjà, bon, ça va déjà commencer à me poser problème pour savoir où je vais remettre ces choses. Voilà. Donc, non, je pense que je mettrai là-bas sur le mur. Parce que là, j'avais pensé sur la porte, là, qui est là, vous voyez, hop, voilà, mais mon mari me dit non, on va pas commencer à mettre des clous dans la porte. Bon, il a pas tort, hein, parce que si un jour on s'en va, s'il y a des trous dans la porte, le bailleur va dire c'est quoi ça, il va nous faire payer une porte. Enfin bon, je verrai, je vais déjà le faire. Et puis après, je verrai où je le poserai. Je vous le montrerai peut-être à la fin de la vidéo si j'ai trouvé la place. Sinon, je vous le remontrerai sur une autre vidéo une fois que j'aurai installé tous mes dies dessus. Voilà. Donc là, je vais remettre la caméra, enfin le téléphone Je vais le basculer pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Et puis, on va attaquer. Donc là, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir, je vous dis, une toile, du double face et les plaques aimantées. C'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, bon là vous ne me voyez plus, hein, mais c'est normal. Donc voilà la plaque. Hein.
Donc on va d'abord mettre le double face. Donc je vais me prendre un petit ciseau, enfin un grand, pour couper le double face. Alors, je vais déjà en mettre au bord. Donc, je ne vais pas en mettre vraiment tout partout, hein, parce que sinon, bah, il peut arriver un gros rouleau. Donc, on se met d'abord le double face, comme je viens de dire. Voilà, on va faire une bande sur deux à peu près. J'espère que ça va bien coller sur la toile. Donc ce que je vais faire, après je vais bien appuyer sur l'envers pour que ça colle bien. Bon, là par contre je vais en mettre deux, l'une à côté de l'autre, puisque pour le bord. Sur l'envers. Pour être sûr que ça adhère bien. Voilà. On va voir ce que ça donne déjà avec la première bande. Alors, je vais déjà enlever toutes les bandes parce que je vais en remettre dans ce sens-là pour être sûr que ça ne bouge pas. Bon, les dalles, au bout d'un moment, c'est quand même lourd, hein, surtout si vous en mettez plusieurs. Donc là, ne faites pas au double face d'action, hein, parce que ça tient.
Ça va tenir sur le coup, sûrement. Mais sur le temps, ça, c'est sûr que ça va se décoller. Donc, voilà. Et maintenant, je vais refaire, alors d'abord sur les bords. Notre bord. Ah, ça colle. Voilà. J'espère que j'arriverai à faire ma dernière bande parce que je vois que le rouleau commence à avoir un coup dans la tête. Voilà, et une dernière. Ah, j'ai oublié, j'avais mis mon croquet en route. J'entends qu'il sonne, mais bon, c'est pas grave. Je préparais pour ce soir du poulet basquez au chorizo. Bon, là, je peux pas le retourner, hein, sinon il va y avoir un souci. Ah, il ne veut pas venir. Ah, voilà. Voilà, et la dernière. Voilà. Donc normalement, il y en aura assez. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je mette mes plaques. Donc, je vais les mettre à ras. De les mettre bien droite, hein, surtout. Ah, j'ai pas été droite, on sait rien, je crois tout près. Vous voyez, c'est super simple, hein. Il n'y a pas grand chose à faire.
Bon, ici, de toute façon, je sais qu'il faudrait que je recoupe. Et parce que là, ça dépasse. Mais ça, c'est rien. Je recouperai après. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'au temps. Ah! Oula! Je n'avais pas été droite du tout, du tout. Je vais mettre plus près, ça ira mieux. Là, après, de toute façon, moi, je ferai une bordure parce que là, comme j'ai démarré, j'ai mal démarré. Vraiment dommage qu'il n'y ait que deux plaques par paquet. Voilà. Donc celle-là, on sait qu'il faudra la couper. Et les deux dernières que je vais mettre dans l'autre sens. Pour faire moins de plaques. Et sinon, je serai obligée d'en mettre 3 et d'en couper 3. Donc, ce sera embêtant. Ah, il veut pas. Donc les bords, vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes plaques, vous voyez. Donc maintenant, je peux le retourner. Donc là, je vais mettre mon tapis de coupe. Pour ne pas couper mon bureau. Et je vais couper ce qui dépasse. Alors, j'avais un cutter. J'avais un cutter, voilà, le voilà. J'espère que ça se coupe bien. Oui.
Bon, les chutes, je vais les garder, hein, ça peut servir. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Les chutes, je vais les mettre de côté. Je ferai le pli après. Voilà. Donc moi, comme les bords, ils ne sont pas terribles parce que là, bon, il me manquait quoi, 2 mm. Je n'allais pas couper une plaque pour 2 mm. Je vais. Alors. Voilà, j'ai pas encore toutes mes marques avec mon nouveau déménagement. Voilà. Alors, je vais voir si ça le fait bien ou pas. Donc là, par contre, je vais utiliser les doubles faces d'action que j'ai mis quelque part. Je ne sais pas où. Là. Je suis derrière vous, hein, les filles, si vous me cherchez. De toute façon, si je vois que ça ne tient pas très bien, je referai avec un point de colle. Voilà. Donc, pareil en bas. Je fais pareil en haut. Voilà, il ne me reste plus qu'un côté. Voilà.
Voilà. Bon, je pense que normalement, j'ai assez de dentelle pour faire le tour. Donc maintenant, je retire la pellicule si elle veut bien. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, on va essayer de l'autre côté, ça ira peut-être mieux. Bon, ça veut pas. On va employer les grands moyens. Voilà. Non, mais on va pas se laisser faire par un bout de pellicule. Vous voyez pas les filles que je fais tout ça puis que mes dalles ils tiennent pas dessus. Alors là, je rage. Je rage. Allez! Hop là. Non, mais. Et la dernière. Je vais prendre ici en haut. Voilà. Hop. Prends mes ciseaux à côté de moi. Ah, je vous jure. Allez. J'attaque. Je regarde si je coupe ou si je fais un angle. Je fais un angle. Et là, je remettrai un point de colle. Non, je coupe. Comme c'est du plastique, c'est rigide. Ça va pas. Allez, je vais le retourner. Bon, je sais que la dentelle elle va rester molle, hein, mais bon, c'est pour dire de cacher un peu les bords. Qui ne me plaisent pas. Voilà. Et le dernier.
Donc ça vous, ça, vous voyez ce que c'est, hein, c'est la dentelle plastique, hein, d'Action. J'espère qu'elle va coller, qu'elle va rester collée. Sinon, bon, si je vois que ça bouge, de toute façon, moi, je remettrai, comme je vous ai dit, je remettrai de la colle. Voilà. Bon, c'est déjà plus joli. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, attendez, je vais relever le téléphone. Ah, j'ai trop serré. Ah, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, là, je remettrai des petits points de colle, hein, au bord. Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à poser les dies. Donc, il faudrait que je, je trouve une place pour le mettre debout. Pour pouvoir mettre les dies. Je vous retrouve tout de suite. Pour l'instant, je l'ai posé sur ma table en attendant. Et je vais mettre quelques dies dessus pour voir si ça tient. Hein. Je prends ma boîte pour l'instant. Je mets donc différents dies. J'ai encore mis du scotch dessus. Voilà. Oui, bah ça tient très bien déjà. Vous voyez? Oui. Génial. Ça tient, alors je les mets pas, je vais les mettre, je les pose là, côté aimanté, ici, pas le côté qui coupe, là c'est le côté qui coupe, mais je vais poser côté plat, voilà. Voilà, impeccable. Là j'ai une grande plaque, une grande plaque, voilà, ça tient. Ma petite fleur. Le petit landau. Voilà, bah, tout tient, il n'y a pas de problème, voyez. Donc, le problème, c'est de savoir si j'aurai assez de place, vu le nombre de dies que j'ai. On verra. Donc là, vous voyez, bah, ça tient bien. Je vais vous montrer de près. Voilà. Donc quand j'aurai tout rangé et puis je l'aurai mis au mur, je vous montrerai sur une vidéo. Voilà. Donc là, hop, je me baisse pour que vous me voyez. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Bon, bah, celles qui ne connaissaient pas, bah, maintenant vous connaissez le truc. Voilà, celles qui connaissaient, bon, bah, ça, je ne vous apprends rien. Mais bon, voilà, ça, au moins ça vous permet de voir tous les dies que vous avez sous la main du premier coup d'œil. Et là, moi, ça va me changer la vie. Au moins, ça va me permettre d'utiliser des dies que bah, je n'utilisais jamais parce que je ne les voyais pas dans mon classeur ou dans ma boîte. Et au moins là, ben, je les verrai et je pourrai les utiliser comme je le souhaite. Voilà. Donc, peut-être que j'aurai besoin d'un deuxième. Je ne sais pas, je verrai hein, une fois que je les aurai rangés. Ça, je vous le dirai sur une prochaine vidéo.
Et donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Que ça vous aura aidé hein, pour trouver une idée pour ranger vos dies si vous ne connaissiez pas la technique. Et nous, on se retrouve très rapidement donc pour une nouvelle vidéo et nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous. Et prenez bien soin de vous. Faites pas les cons dehors. Allez, à bientôt. Bisous.